Tadam! Ah ouais, quand même. C'est Thérèse qui me l'a fabriqué. Magnifique, non? Et celui-là, c'est pour Mathis. Mmh, c'est pas mignon? Oh oui, mon petit cœur, je t'entends, je te vois, je suis là, hein, regarde, tout va bien, c'est moi, c'est Gabi, c'est papy Gabi. Oh, mais qu'est-ce qu'il a, ce petit bout de chou? Pourquoi est-ce qu'il pleure comme ça? Mais justement, on n'en sait rien. Il arrête pas de réclamer Gabi, j'arrête pas de lui dire que je suis là. Gabi? Il a dit Gabi? Eh oui. Ah ouais, il arrête pas. C'est infernal. Mais moi, je sais ce qu'il a. Je sais ce qu'il a. C'est ça qu'il veut. Il veut son caméléon. Non, mais il veut pas son caméléon, il veut Gabi. Mais oui, mais c'est lui, Gabi. C'est le doudou qu'il a à la maison quand on garde avec Roland. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Oh, il est là, ton copain. Il est là, ton Gabi. Oh, regardez comme il est content. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, papy Gabi, je crois que tu as un petit peu de concurrence. Hein. Bah, en même temps, c'est quand même très compliqué de rivaliser, là. Hein. Gabi le caméléon, mais pour de vrai. Ça t'amuse, toi? Je sais pas, tu nous as tellement saoulés avec Gabi le meilleur papy, que, si tu veux. T'étais jaloux, c'est tout. Grave, ça c'est vrai, t'étais grave jaloux. Mmh. En même temps, j'aurais bien aimé être là pour voir ta tronche, quand même. Parce que... Je crois qu'on t'appelle. Marrez-vous. Vous devriez plutôt vous poser la question de savoir pourquoi il a choisi cette peluche plutôt qu'une autre. Bah, parce qu'elle parle. Parce qu'elle est toute douce aussi. Bah, je sais pas, on sait pas. Et tu sais quoi? Mathis non plus, il sait pas. Mm. C'est des choses qui... C'est comme ça, ça s'explique pas, tu vois. Mais bien sûr que ça s'explique. Il a choisi cette peluche parce qu'elle s'appelle Gabi, comme son grand-père préféré. Et alors? Mais c'est clair qu'il fait un transfert. Pour lui, cette peluche, c'est moi. Mais tu es sérieux? Oh non. Je sais pas si t'es sérieux, mais moi, en tout cas, je dis que s'il fait un transfert à ta place, je le prendrais mal. Parce que quand tu vois la gueule et la voix de la peluche, c'est chaud. Je vous en veux pas. Moi aussi, si j'étais vous, je serais jaloux. Pardon.